Bien, pour moi, le foot, organisation défensive, n'est pas seulement la responsabilité de la défense centrale ou de le gardien. Nous sommes ici déjà à la quatrième saison. Première année, nous faisons les meilleures années défensivement avec Ricard, Abdenour, Rager. L'année dernière, je crois que nous faisons plus offensivement et défensivement, nous restons toujours équilibrés. Ce n'est pas une grosse saison défensivement, c'est une saison équilibrée. Je crois que la force d'équipe l'année dernière, c'est l'attaque. Nous faisons plus de buts de tout le monde. Nous battons le record de buts chez nous pour le championnat français, pour l'Europe. Je crois que c'est la troisième et quatrième équipe qui fait plus de buts. Cette année, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle équipe. Je crois que mon préoccupation n'est pas seulement le but que nous encaissons, c'est un peu la performance. Pour moi, plus important d'une équipe, c'est la performance. La performance, c'est si nous faisons 4 buts, pas de problème, tu prends 2. Besoin de rester performant. Et aujourd'hui, l'équipe manque un peu cette performance. Mais je nous travaillons pour réussir, pour faire progresser les joueurs, pour faire progresser l'équipe, comme c'est notre habitude. Béziktaş, c'est le champion, c'est une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité et avec beaucoup d'expérience. Internationaux, Adriano, Pep, Quaresma et les autres aussi. C'est une équipe que cette année, pour le championnat, n'est pas va très bien, mais pour le Champions League, il va devant le groupe. C'est une équipe compétitive. Mais que nous, demain, nous avons besoin de la victoire, parce que si nous croyons que nous pouvons qualifier, nous avons besoin de pouvoir faire le point, et le point sont pour faire demain. Je crois que Daniel n'a pas fait un bon match à Lyon, ça c'est sûr. Mais je crois aussi que pour les autres matchs, le problème n'est pas seulement lui. Il a ma confiance. Aussi Diego, nous avons 2 grands gardiens. Le problème avec le foot, les personnes rappellent toujours la dernière semaine. Mais je n'ai pas regardé, il a fait un nouveau fait saison. Bien sûr que le dernier match, il n'est pas bien. Mais je crois en la qualité de Loué et l'expérience de Loué pour jouer demain. Bien sûr, avant j'ai parlé de performance. Performance, c'est ça. Falcao, c'est un joueur très performant. Il va nous apporter ça, cette efficacité, cette qualité de jeu. Il nous espère aussi, avec les autres 10 qu'on aussi, nous faire une équipe performance pour gagner les matchs.